Yo tout le monde, c'est Zalubertis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour l'épisode 4 du coup de Vlog de Minecraft. On se retrouve au même endroit, je vous ai dit que j'en filmerai une deuxième, et ben c'est ce que je suis en train de faire en fait. Donc j'ai pas eu de diamant, hein, toujours pas, donc voilà, j'ai juste fait un saut, j'ai été récupérer de l'eau, machin truc bidule chouette, et puis voilà, c'est tout pour le moment. Donc voilà, il faut tuer ce petit zombie. J'ai très très faim, donc j'ai tourné cette vidéo et après j'irai manger. Parce que j'ai très très faim. Voilà, je suis une grosse bouffe, vous devez le savoir. Hop. Hop. Hop, hop. Je vais pas toutes les éteindre l'eau parce que ça peut toujours servir. C'est une denrée rare. Non, je rigole. C'est le diamant qui est une denrée rare. Que j'aimerais bien trouver d'ailleurs. On va essayer d'éclairer un peu. Voilà. Toc, toc, toc. Je sais plus si j'ai toujours mon skin de Noël. Putain, faudrait peut-être que je l'enlève, quoi. Oula, 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 oula. Faudrait peut-être que je l'enlève, hein, il serait temps. Nous sommes fin janvier. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Faut toujours rêver de Noël. Faut rester enfant et faut rester joyeux dans sa petite vie. Putain, j'ai vraiment faim en vérité. Hein. J'ai la dalle. Et en plus, je travaille cet après-midi, donc bon, ça va être génial. Trop cool, je suis trop contente. Tout ça, ma vie est géniale. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je filme des vidéos maintenant, parce que je n'aurai pas forcément le temps ce soir. Donc voilà, même si ma vidéo de lundi est déjà prévue, et celle de vendredi aussi, c'est pas grave. Autant en prévoir plus à l'avance. Comme ça, vous n'êtes jamais en manque de vidéos, et deux vidéos par semaine, ça me convient très bien pour le moment. Putain, j'ai toujours plus de diamants, mais c'est pas possible ça. Je vais devoir m'en guivre ou quoi? Il n'y en a pas d'ici de diamants, quoi. Bref. On va essayer de creuser un peu comme ça. En attendant, je vais essayer de vous raconter des trucs de ma petite vie. Pépito! Je t'entends, hein. Ouais, il y a toujours Pépito qui fait le con autour de moi, là. Il commence à m'énerver sérieusement. Voilà, alors, de quoi est-ce que je pourrais vous parler? Je pourrais vous parler des petits animaux abandonnés dans la vie. Voilà, que ça, c'est un, ça m'énerve plutôt. Plutôt comme le chien de Mickey, c'est Mickey, ouais c'est Mickey qui a un chien qui s'appelle Pluto, bah voilà, comme plutôt le chien de Mickey, Mickey qui est à Walt Disney qui est un endroit que j'aimerais bien. Allez, dites-moi en commentaire si vous avez déjà été à Walt Disney, vous aviez quel âge, tout ça c'était bien, et d'ailleurs j'ai appris que maintenant il fallait payer pour faire une vidéo, non bien sûr, une photo avec Minnie ou avec Mickey d'ailleurs, ou avec tous les personnages de Disney, donc j'ai un peu les boules quand même, enfin, franchement c'est vraiment pas cool quoi. La vie est chère, la vie est chère, la vie est chère, c'est pour ça qu'il faut faire ses courses à Lidl, j'aimerais être sponsorisé Lidl parce que Lidl c'est ma vie, vous faites vos courses où vous, Carrefour, Leclerc, Intermarché, Auchan, Lidl, Leader Price, Carrefour City, Carrefour Contact, je sais pas. Bref, dites-moi où vous faites vos courses et c'est vos parents qui font vos courses ou c'est qui font leurs courses. Et donc voilà, je n'ai encore plus de bois tout simplement, donc je suis encore niquée. Et niquée, ça ressemble à Mickey et nous retournons... Oh oui, il faut que je le tue lui. Nous retournons au sujet de Mickey Mouse qui est vraiment génial, c'est voilà, une figurine dans ma petite vie, j'adore Mickey Mouse. Et je pense que je vais rentrer à la zombée qui peut ressembler à... au mot maison, mais qui est du verlan en fait. Voilà, donc qui ressemble au... au mot maison, mais voilà, c'est du verlan, donc voilà, ça fait zon, mais voilà, je pense que vous étiez pas au courant, donc je préfère vous le dire, tout simplement, en fait. Donc, nous avons ça, nous avions ce que vous voulez, oui, putain, vous vouliez absolument que je fasse une pioche, vous le criez, je l'entendais, hein, je l'entendais, nous avons beaucoup de ressources là, un peu trop même, et nous avons plus de bouffe, ah si, nous avons toujours de la bouffe, je mange, oui, je suis youtubeuse, donc je suis menteuse, parce que tous les youtubeurs sont des menteurs, vous le savez très bien, je vais me faire hater, ce Liberty est une connasse, eh ben, hashtag, je suis une connasse, et je l'assume, bref, voilà, nous allons essayer d'aller voir... qu'est-ce qui se trame de l'autre côté? Sauf si ça veut pas, hein. Écoute, si tu veux pas... C'est comme mon moniteur, à chaque fois, il me fait tourner à gauche. Je lui fais, t'es sûr? Il me fait, bah, si tu veux pas, on va pas à gauche.
Si, moi je vais à gauche, écoute, enfin, moi j'aime bien la gauche, j'ai rien contre les gauchers. Ce sont des personnes très gentilles. D'ailleurs, je crois que Norman est gaucher, ou Cyprien, je sais plus l'un des deux. Parce que voilà, je regarde les deux, j'aime bien les deux. J'ai pas de préférence d'ailleurs. Est-ce que vous préférez Norman ou Cyprien? Moi j'ai. J'arrive vraiment pas à les départager. Je sais pas, ils jouent dans la même catégorie de toute façon. C'est comme si je vous disais Ronaldo ou Ronaldinho. Comment te dire, ma petite Laurie, que. Voilà, les deux, tu les mets très bien dans ton lit, hein. Donc bon, c'est qu'à partir de ce moment, ils sont difficilement départageables. Départageables, du mot départager, hein. Bien sûr, vous avez suivi jusqu'ici. Alors là, ça descend, donc moi je vais là où ça descend. C'est. Non, je. Non, toujours pas, mais putain, mais y a plus de diamants. Attends, je suis en argent, quoi. Je suis en 1.8.9. Il y a plus de diamants, peut-être qu'ils ont enlevé les diamants et je suis pas au courant. C'est peut-être ça, hein, que là aussi ça descend. C'est peut-être ça, hein. Écoutez, peut-être qu'ils ont enlevé les diamants, mais moi je le sais pas, hein. Pourquoi pas? Oh, une petite fleur. Je vous l'offre à tous, une fleur jaune. D'ailleurs, j'aime pas le jaune. Vous aimez le jaune? Je trouve que c'est agressif pour les yeux. J'aime vraiment pas beaucoup ça. Mais après, ça peut aller, hein. Mais genre, je m'habillerai jamais en jaune, par contre, parce que franchement, c'est. Bon, ouais, je me vois pas. Ah! Voilà! Voilà! Ouais, putain, enfin! Et je suis sûr qu'il y en a genre que 4, parce que voilà, c'est des radins, Minecraft. Voilà, c'est. Je rends l'argent aux abonnés, quoi. Voilà. Voilà. Bref. Ok. Darling. Oh putain, je le sens pas. Vous le sentez pas? Vous le sentez pas vous aussi, hein. Je le sens. Je sens que vous le sentez pas. Alors, on va éviter de s'enfermer. Il y a de l'eau juste ici. Ok, ça va? Ok, ça va? Ok. It's good. Ouais! Et là, il y avait de la lave qui tombait et qui me prenait tout. Alors, j'aime bien creuser, moi, là, il y a encore du diamant. Alors, j'aime bien ça. J'adore ça même. Donc, on va essayer de remonter. En plus, s'il y a un lac de lave, qui dit lac de lave, dit peut-être grotte. Ok, ça dit juste ça, en fait. Voilà. Ok, d'accord, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Ok, bon, bah nous avons 5 diamants. C'est pas assez, c'est pas assez. Il m'en faut 3, 4. Ah bah si, c'est pile assez. Qu'est-ce que je dis comme connerie? C'est pile assez, il m'en faut 5. 3 pour une pioche, 2 pour une table de craft. Table de craft, table d'enchant. Si, c'est assez, mais bon, si je pouvais avoir plus, ce serait cool. Nous allons reprendre encore une fois un petit peu de fer et nous allons vraiment remonter. D'ailleurs, est-ce que je vais vous retrouver quand je serai remonté? Sûrement. Allez, à tout de suite. Et re! Alors ça y est, j'ai fini de retrouver le chemin, ça a pas duré tant que ça, hein, honnêtement. Nous allons tout mettre. Ouh là, tout mettre à chauffer. Chauffer ou cuire, je ne sais pas trop d'ailleurs. Et nous allons ranger ce que nous avons eu. Donc nous avons eu pas mal de trucs, hein. Nous revenons fortement. Voilà, hein. Hop, hop, hop. Voilà, j'ai des fourmis à ma jambe gauche, ça me fait très très mal. Donc nous avons même eu des os, donc nous allons pouvoir nous refaire de la bouffe. Putain, ça fait mal. Mettez un pouce vers le haut si vous. Ah! Si vous partagez ma douleur! Ah, putain. Mon Dieu. Est-ce que ça pourrait passer? Ce serait sympa. Ce serait très sympa si ça pouvait passer. Putain, ça fait très mal. Bref, nous allons continuer. Nous avons, hop, des graines. Voilà, donc comme ça nous allons avoir à bouffer. On va faire chauffer des patates. Il nous faudrait plus de four. On n'en a pas assez. J'avais une partie sur un serveur, je crois, où j'avais genre peut-être 30 fours. Et dans les 30 fours, j'avais un bloc de charbon à chaque fois. Ouais, je suis une grande folle. Parce que j'aimais pas quand il y en avait pas, enfin quand c'était pas le même nombre et tout, enfin bref. Voilà. C'est. Voilà. C'est. Tout va bien dans mon cerveau. Hein? Donc là, on. Oula, merde. Là, on a pas mal de bouffe. Hein. On a pas mal de bouffe. On est plutôt good. Good, good, good. Du coup, par contre, le temps est faussé. Je sais pas vraiment en combien de temps de vidéo nous sommes. Hop, on va faire chauffer des patates plutôt.
c'est plus intelligent. Et ça, on peut le ranger. Qu'est-ce que je voulais te prendre de la bouffe, machin. Moi, bon, il me reste 23 de poudre d'os, mais bon, on s'en fout un peu. Que pourrait-on faire pour le restant de cette vidéo? Nous pourrions faire une pioche en diams, par exemple. Pépito, il est juste en dessous, donc si vous l'entendez. Je suis désolée, mais je sais pas, il a envie de faire chier. Merde! Il a envie de faire chier son monde aujourd'hui, hein, Pépito? T'aimes bien faire ça? T'aimes bien, t'aimes bien. Et donc voilà, je range ça. On va récupérer, hop, hop, ça, et on va le ranger. Et non mais, il est sérieux là? Il est en train... Allez, descends. Il est en train de tout me casser, ce petit con là. Donc, que pourrait-on faire pour cette fin de vidéo? C'est ça que je voulais savoir. Je sais pas si vous avez trop vu ma maison. On pourrait peut-être essayer de finir ça. Ce serait sympa. Parce que j'avais essayé ce truc, puis j'aimais bien, puis voilà, mais j'avais pas assez de bois. Machin truc chose. Bref. Mais je crois qu'il va m'en manquer, hein. J'ai pas du tout assez de bois, mais là il me reste quelques barrières. Mais bon, ce sera jamais assez. Alors, je sais jamais c'est quoi le craft? Ok, bah c'est ça en fait. J'étais pas tout à fait sûre. Donc, j'avais fait. Ok. Ce que j'aime quand c'est parallèle, alors. Parallèle. Je suis pas halal. Bref. Bref, bref, bref. Donc, j'avais fait un truc comme ça. Hop. Ok, évidemment. Ça m'emmerde, mais j'ai pas de pelle. Faut que je détruise ces deux carrés, sinon ça va être moche. Voilà. Et ensuite, tac, 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 tac. C'est ça, hein? C'est tout con. C'est tout con, mais j'aime bien. Et est-ce qu'on peut poser des torches dessus? Non. Ça, c'est vraiment dommage quand même. Alors, nous allons aller casser de l'arbre. Il est joli ce petit lac là. J'aime bien. J'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aime beaucoup le biome où nous sommes installés. Enfin, c'est directement le spawn. Je vais pas chercher très loin, mais je sais pas, j'aime bien. Je trouve qu'il est très très beau. Donc voilà, c'est une jolie prairie, trop calme et tout, machin. Et d'ailleurs, peut-être qu'au bout d'un moment, il y aura beaucoup plus de choses installées dessus. Un troisième, ce serait bien pour la route. Et même un quatrième, ce serait parfait, ça aussi, c'est joli là-bas. Regardez-moi ça. J'aime tellement Minecraft. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes pour ou contre les shaders. Donc, si vous voudriez que j'en mette un, je pourrais en mettre un. Ça pourrait être sympa. Vu que c'est une série où il n'y a pas de mobs, où c'est des trucs très simples, je pense pas que ça ferait laguer plus que ça. Donc, dites-moi si ça vous intéresserait. Si ça vous intéresse pas, je n'en mettrai pas. Un shader ou un pack de textures d'ailleurs, mais je pense qu'un shader ce serait mieux. Enfin, je sais pas, ça donnerait plus de profondeur à cette série. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je serais pas contre. Franchement, je serais vraiment pas contre. Il me faut des patates là. Ça va plus là. Merci. Mon bonhomme Minecraft, il a droit de manger et pas moi quoi. J'ai toujours pas mangé. Je sais, je suis chiante avec ma bouffe, mais alors ma bouffe, c'est ma bouffe quoi. Donc bon, voilà, il faut que j'aille manger. D'ailleurs, j'ai froid. Est-ce que vous avez froid vous aussi? J'en ai marre là. Vivement l'été, hein, non? Vous êtes pas d'accord? Moi, je vous dis vivement l'été, hein, parce que là, l'hiver a à peine commencé, moi j'en ai déjà marre. Ça me saoule vraiment ce temps de merde. Il pleut et tout machin, enfin bref, c'est les temps où vous savez, on a envie de rester dans le lit à rien foutre, sauf que bah non, on peut pas parce qu'on a cours, parce qu'on a stage, parce qu'on travaille, parce que voilà, d'ailleurs, donc bon, voilà, c'est pas très très cool, c'est pas génial. Alors là, ça va être sympa. Bon, ça va ressembler à rien, mais de toute façon, je ferai du terraforming. Donc, évidemment, je ferai pas tout. Vous imaginez si je dois faire tout du terraforming en vidéo. Non, peut-être pas, mais voilà, j'essaierai de vous montrer. Je vous montrerai l'avancée. Je prendrai des screens ou. Voilà, je. Voilà, parce que je suis comme ça. Et ouais, d'ailleurs, ce serait super joli si j'avais le petit lac et tout juste à côté. On peut peut-être essayer de. Un petit peu. Enlever. Ouais, je crois que j'avais commencé, mais bon. Voilà, on va peut-être essayer d'enlever un petit peu ça.
Faudrait que j'aille chercher de l'obsidienne aussi, ça ce serait sympa pour faire la table d'enchant directos. Comme ça, je pourrais faire des pelles super enchantes. Et voilà. Et il me faudrait de la canne à sucre aussi. Il faudrait que j'aille à la recherche de la canne à sucre. Parce que je n'en ai pas, la nuit tombe, c'est sympa, c'est super. Et il faut penser à tuer tous les Enderman qu'on voit, parce qu'après il faudra faire les Eye of Ender. Donc pour ça il faut aller dans le désert, et pour... faut qu'on aille dans le désert quoi, et pour ça il faut de l'opsy, beaucoup d'opsy, beaucoup beaucoup d'opsy, enfin beaucoup beaucoup. 4 pour la table d'enchant, et puis après moi j'aime bien faire le portail de base. Donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11 blocs? Ça me paraît bizarre, c'est un nombre impair? Bon, 11 ou 12 quoi, ça doit être 12. Parce que je suis pas très très forte en calcul. Voilà, bon, ben, je pense qu'on va pouvoir se laisser là-dessus. Un petit peu de terraforming. C'est toujours sympa. Hop, voilà. C'est sympatoche. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ce combo même de vidéos, parce que j'en ai filmé deux, je vous le rappelle. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de faire un pouce vers le haut, de répondre à tout ce que je vous ai demandé, donc shader ou pack de textures, et je sais plus, je parle tellement que j'oublie ce que je dis. Je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner. Putain, ça fait deux fois que je baille à la fin de la vidéo. Ça, c'est parce que je m'étire. Bref, n'oubliez pas de vous abonner si c'est toujours pas fait. Si c'est toujours pas fait, franchement, c'est pas cool. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!